Hey, salut à tous! On se retrouve aujourd'hui du coup pour une petite ouverture. Merci à Pocaz. Donc on est en live aujourd'hui, on était censé jouer à Pokémon JCC Online et on a eu quand même pas mal de dons et donc du coup on a décidé tous ensemble d'ouvrir cette Elite Trainer Box épée et bouclier en live. Donc voilà, donc j'espère qu'on va avoir de très jolies choses. Merci encore à Pocaz, merci à tous. Merci à Pocas, merci à Willow, merci à Lollipika qui ont fait des dons aujourd'hui sur le live. C'est grâce à vous qu'on se fait cette petite ouverture un petit peu improvisée et voilà pourquoi le format est différent. Donc voilà, allez, c'est parti, on s'ouvre ça. Hop, donc j'ouvre le. Parce que je suis obligé de vous l'ouvrir ici. J'ai enlevé le cutter pour pas me blesser. Mes amis vous diront que j'ai un don pour me couper avec des cutters. Hop. On s'ouvre ça. Juste là, c'est parfait. Donc le coffret dresseur d'élite, on va mettre juste ici. On n'aura peut-être pas assez de recul pour tout voir. Mais je vous remontre rapidos ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on a un guide de jeu. On ne le voit pas très très bien, je vous le montre ici. On a un guide de jeu. Donc le bleu, on ne l'avait pas. On a ouvert pour le moment uniquement une boîte rouge. Et à l'intérieur, les fameux boosters qu'on va ouvrir tout de suite. Et comme d'habitude, je vous remontre pas, mais il y a les dés et tout ce qu'il faut à l'intérieur. Hop. Voilà. Alors les boosters, ils sont là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est ça. C'est ça. On a les petits protège-cartes qui sont sympas. Hop. Voilà. Allez, on se fait cette ouverture. Peut-être une gold, j'aimerais bien. J'aimerais bien, Pocasque, qu'on ait une gold là-dedans. Et si on pouvait avoir le Zamazenta en gold, ça serait juste énorme. Vraiment. Vraiment, vraiment énorme qu'on puisse avoir une autre carte gold. N'hésitez pas à aller voir la vidéo qui a été postée aujourd'hui pour ceux qui viennent d'arriver. Alors, je vais essayer de regarder en même temps comme ça. Non, on voit pas trop mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Pour une installation un petit peu à l'arrache, c'est pas mal. Allez, c'est parti! C'est parti, c'est parti. Donc là, il n'y aura pas de montage. Après, il y a très peu de montage sur les vidéos, mais voilà, là, il n'y aura pas de montage. C'est vraiment du brut de pomme. C'est du live un peu à l'arrache, mais c'est ça qui est génial aussi de faire ça avec vous en direct. Allez, c'est parti. Énergie. Bécitrus. Quillfish. Échange d'énergie. Krabby. Charibari, Balbuto, Tritox, Ponyta de Galar, en reverse, un Kéléocroc que j'ai déjà. Donc pas d'ultra rare pour la première, mais un Galopin de Galar que je n'ai pas. Ça je le sais puisque j'ai fait mon classeur tout à l'heure. Donc le Galopin de Galar, je vais la mettre de côté puisque je ne l'ai pas. Le Kéléocroc en reverse, ça je l'ai déjà. Voilà, premier booster. Premier booster. Ouais, comme le JCC sur Shiny sur qu'on a eu hier en ouverture, ouais, carrément. Zacian et Zamazenta Gold, ce serait pas mal pour la collection, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, deuxième booster. Vous avez peut-être pas vu. Vous avez pas vu, mais moi j'ai vu. J'ai vu parce que j'ai écarté un tout petit peu les cartes. Non, je vais rien dire. Je vais rien dire parce que peut-être que je me trompe. Je vais rien dire parce que peut-être que je me trompe. Je vais rien dire. Je vais rien dire. Allez. Si c'est vraiment ce que je. Non, mais si c'est ça. Mais si c'est ça. Mais Pocaz. Mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Mais vraiment, vraiment, c'est une journée de dingue. Merci à tous. Merci, merci, merci. C'est génial. Quillfish. Poké enfant. Recherche d'énergie. Balbuto. Tritox. Ponyta de Galar. Chinchidou. Je sais pas ce que c'est hein, comme carte, mais je sais que c'est ouf. Larmeléon. Lézarius en reverse. Je sais pas si c'est une gold. Je prends des protections.
Je sais pas si c'est une gold, mais en tout cas, c'est une très belle carte qui brille beaucoup. C'est une gold. Alors, c'est pas un Pokémon, mais c'est une gold. Écusson métal, c'est une gold. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Deux golds dans la même journée, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Merci Pokaz, merci à tous. Merci Pokaz, merci Willow, merci Lollipika pour vos dons. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, une gold. Ça fait deux aujourd'hui, ça fait deux aujourd'hui, c'est insane. Franchement, c'est un truc de malade. Elle est magnifique, magnifique, magnifique. Vraiment magnifique comme carte. Si je m'attendais à ça, vraiment pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. C'est un truc de ouf. Bon, on va la laisser là. On va la laisser là. On va mettre le Lézargus sur le côté. Il nous en reste encore. Il nous en reste encore, mais c'est un truc de ouf. Vraiment. Je suis content qu'on puisse vivre ça ensemble en live. Donc je vais très certainement reposter la vidéo derrière telle qu'elle est là. Mais c'est cool qu'on puisse vivre ça ensemble. Et voilà, les lives, ils ont un intérêt du coup. Et je trouve ça formidable. Allez. On continue, on peut encore trouver de jolies choses. Hein. On peut encore trouver de jolies choses. Salut l'alien! Oui, effectivement, on vient de trouver une gold déjà au deuxième booster. Allez! Énergie. Oh! Spectrum. Badaboin. Registre ami du Nadja. Voltoutou. Krabi. Charibari. En reverse, non pas encore, Balbuto, en reverse, une rapid ball. Et derrière, non, pas d'ultra, c'est la 61 sur 202, Torgamore en rare. Je les ai mis où les rares? Ici. Je suis content de mon petit câble là, c'est pas mal. Hein. Ça fait le boulot, ça fait le job. Donc pour ceux qui se posaient la question, on pourra faire du. Ah, j'ai une petite notif qui arrive en même temps. Voilà. On pourra faire du Brawl Star ou autre. Pour ceux qui posaient la question, il faudra juste que je trouve une façon de faire un petit peu plus joli. 1, 2, 3, 4. Ouais, je viens de voir la notif Golden. Je vais aller voir ça tout de suite après. Je vais aller voir ça tout de suite après. Allez. Énergie sombre. Béprine. Énergie boréale. Mouflon. Krabi. Zigzaton de Galar, Tournicoton, Dunadja, Voltoutou, Potion en reverse, non, pas d'ultra, Dryhul en rare, je crois que le Dryhul je ne l'ai pas, donc c'est parfait, je vais le mettre de côté parce que je suis quasiment sûr de ne pas l'avoir, ça c'est cool, ça complète la série. On continue avec un booster Ronflex Gigamax. Je sais plus dans quelle illustration de booster c'était la gold. Je sais plus du tout. J'ai vraiment pas fait attention. On reverra ça au replay. Je pense qu'on aura la possibilité au replay de revoir ça. Mais c'est quand même un truc de dingue. Allez. Énergie plante. Scalproie. Encens d'évolution. Bandeau vitalité. Tournicoton. Dunadja. Voltoutou, Krabi, Charibari, en reverse, un Loclast, très joli, ça je l'ai pas non plus. Et derrière, non, pas d'ultra, un Dolman en rare, donc ça le Dolman en rare, je l'ai déjà, ça c'est sûr. Il nous reste encore 3 boosters, il nous reste encore 3 boosters, c'est plutôt cool. Hop là, si je bouge les. Voilà, allez. Il nous reste donc 3 boosters. Il reste quoi comme illustration? Il reste 2 légendaires et un Loclast. Alors même si on n'a pas d'autres ultra rares, franchement, ça a été dingue d'avoir encore une gold. C'est fou. Ça complète vraiment bien la collection. C'est nice. Allez. Énergie électrique. Échange. Noacier. Lapiro, Roselia, Grindur, Krabi, Zigzaton de Galar, Tournicoton, Flambino,
Non, pas d'ultra. Oh, une belle de neige en holo. Très joli. Très très joli, le bel de neige en holo. Je vais le mettre dans un protège-carte, celui-ci aussi. Je sais plus si je l'ai, la belle de neige ou pas. Il me semble que oui, on l'a eu hier, je crois. Ou avant-hier. Allez, avant-dernier booster. Toi aussi, t'as refait ma journée, Pocaz. Parce que je m'attendais pas à ouvrir cette Elite Trainer Box aujourd'hui. Je m'attendais vraiment pas à l'ouvrir là. Et je suis très très content. En plus, c'est au hasard, il m'en reste encore deux derrière des Elite Trainer Box. J'ai pris au hasard, j'ai pris une bleue parce qu'on n'avait pas. J'avais déjà ouvert une rouge. Mais vraiment le pur hasard. Et c'est merveilleux d'ouvrir ça avec vous. Ma carte préférée, j'aime beaucoup les sbires de la Team Yell. Parce que je trouve vraiment l'illustration vraiment sympa. Et c'est une des cartes que je préfère dans la série. Allez, énergie, combat, Linéon de Galar, motocyclette, Arrosar, Wistempo, Larméléon, Rhinocorne, Roselia, Grindur. Alors, un Tefroi en reverse et derrière. Et derrière, on a une Full Art. Et derrière, on a une Full Art. C'est dingue. Allez, je vous laisse 1 minute pour me dire qu'est-ce que vous pensez. Et là, en plus, vous pouvez pas tricher. Dites-moi ce que vous pensez que ça peut être. Comme carte. Dites-moi dans les commentaires. Allez, là, vous pouvez pas tricher puisqu'on est en live. Sauf pour ceux qui vont revoir la rediffusion de cette ouverture qui est dinguissime. Allez, dites-moi. C'est joli, hein? J'attends parce qu'il y a une latence de 30 secondes à peu près. Donc le temps que tout le monde voit ça. Nigosier, c'est possible. Vu les couleurs, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Ok, allez, on va regarder ça. Alors, c'est la 188 sur 202, donc c'est une fin de série. Et je pense que ça peut peut-être être un dresseur. Non, c'est pas un dresseur, c'est un Pokémon. C'est quoi? Oh, nice! Elle est super belle, elle est super belle. Chartor V, elle est magnifique. Alors je me spoile jamais sur les cartes qui sont dans les séries parce que justement je veux avoir la surprise en même temps que vous quand je découvre ces cartes. Mais alors celle-là, elle est vraiment magnifique. C'est pas forcément un Pokémon que je kiffe ou autre, hein, le Chartor, mais alors cette carte, elle est dingue. Je sais pas si vous voyez à l'intérieur dans les écailles là. Il y a des reliefs, c'est oufissime. C'est oufissime, elle est magnifique. C'est une carte magnifique. Vraiment. Et bah, c'est une ouverture de ouf. Aujourd'hui, c'est une ouverture de ouf. Entre la vidéo que j'ai fait ce midi et le live qu'on est en train de faire avec ça, c'est une journée. Je crois que je vais ouvrir tout le reste de mes. Je vais ouvrir tout le reste de mes Pokébox et tout, parce que c'est pas possible. Si j'ouvre une Pokébox. Si j'ouvre une Pokébox destinée au culte, je vais trouver le Dracaufeu, là, c'est obligé. C'est un truc de malade. Ah là là. Donc Pokénat avait trouvé que c'était Chartor. Alors je sais pas si t'avais trouvé avant ou si tu l'as vu en même temps, mais franchement, très très belle, très très belle ouverture. Allez, dernier booster. Dernier booster, j'espère plus rien maintenant. Vraiment. Je pense qu'on a déjà eu pas mal de choses. Même beaucoup de choses. Hop. Allez, 1, 2, 3, 4. Sait-on jamais. Au moins une petite carte qui puisse compléter la collection. Ça serait cool. Allez, je remets ça nickel. Énergie, feu. Œuf, chance. Démanta. Maillet écrasant. Rhinocorne. Roselia. Grindur. Krabi. Zigzaton de Galar, du Nadja, et derrière, non, c'est un Drascor en rare, mais c'est plutôt cool.
Juste un petit coucou et un petit merci à tous ceux qui vont regarder cette vidéo en replay. N'hésitez pas à venir nous rejoindre en live, on fait des choses sympas, vous avez vu. Et merci encore à Apocas, Willow et Lollipika pour les dons aujourd'hui. Donc voilà, donc ceux qui regardent la vidéo en replay, merci. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très très important. Merci, ciao.